Dieu punira ce sacrilège! Vous n'avez pas le droit de traiter son prophète de la sorte! Vous êtes des impies, des hérétiques, vous brûlerez tous en enfer! Vous m'entendez? En enfer! Seigneur et Dieu! Nul ne mérite de mourir dans de telles souffrances. Je suis accablé, éprouvé de l'aide et de force. Moi qui ai offensé la terre et le ciel. C'est toi. Je savais que ce jour arriverait. Je t'en supplie. J'implore ta pitié. Tu l'as. Tu peux partir. Tu vas bientôt comparaître devant ton dieu. Requiescat in pace. Écoutez-moi ! Écoutez-moi ! Il y a 22 ans, je me trouvais à cet endroit. J'ai vu ceux que j'aimais mourir, trahis par ceux qui étaient mes amis. La soif de vengeance me rongeait. Elle m'aurait consumé. Sans la sagesse et le soutien d'une poignée d'étrangers, qui m'ont appris à contenir ma rancœur. Ils ne m'ont pas apporté de réponse, mais ils m'ont aidé à les trouver moi-même. Personne ne doit nous dicter notre comportement. Ni Savonarola, ni les Medici. Nous sommes libres de suivre notre chemin. Il y en aura toujours pour nous priver de cette liberté. Je vous accorde qu'ils sont trop nombreux. Mais c'est uniquement notre libre arbitre. Peu importe comment nous l'exerçons, qui fait de nous des hommes. Aucun livre, aucun professeur n'apporte de réponse. Il y a plusieurs chemins. À vous de trouver le vôtre. Ne me suivez pas. Ne suivez personne. Bon, c'est de bien belles paroles, tout ça. Bon, du coup, on continue, il y a encore des séquences. Je ne pensais pas. Je pensais que le jeu était beaucoup plus court, et je vais pas vous mentir, bah, ça me régale que non. J'aime ce petit Ezio, je vais pas vous mentir. Ah, par contre, ça, j'aime moins ça, punaise, ils m'ont laissé super loin, sans un petit bidet. Ça, ça m'énerve, mais au moins... On va aller chercher nos sous. C'est vrai que c'est un truc que je prends pas le temps de faire quand je suis en vidéo. Parce que en vidéo, j'ai quand même envie que ça soit les moments les plus importants du let's play. Je veux que vous voyez le plus important. Du coup, je vais pas forcément chercher ça. Mais là, comme on est là, autant aller le chercher. Autant aller le chercher. Surtout que j'ai tout à fond maintenant ici. Hein. J'ai quand même tout à fond. Il y a un petit peu plus de monde, vraiment un tout petit peu, hein. Ça se voit pas trop. Mais on va aller chercher le Pognante. On a au moins 45 000 qui dort. Donc, on va aller faire ça. Toi, j'ai plus besoin, t'es totalement fini. Et on collecte les revenus, les amis. 45 000 florins. C'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, je suis bloqué. Le flux de données est endommagé. Non, attends. En fait, il est incomplet. Ce sont les pages du codex. Apparemment, Ezio les avait toutes au moment de cette mémoire génétique. Génial. Et je fais comment pour les trouver? Attends.
Je crois qu'Ezio a une carte sur lui. Oh non! Il a dû mettre la main dessus pendant l'une des séquences endommagées. Apparemment, elle affiche l'emplacement de toutes les pages du codex manquantes. Dur. Ici, vous pouvez commander. Quoi? Leonardo. Ezio, content de te voir. Que puis-je faire pour toi? Tu en as trouvé une autre. Très intéressant. Pas facile. Une substitution numérique, une transposition linguistique, un petit instant. C'est terminé. Yes. Bon, du coup, je ne peux pas aller là-bas, du coup, de ce que j'ai compris. Ok. Qu'est-ce qui se passe, là? Ok, ok. Le flux de données est endommagé. Non, attends. En fait, il est incomplet. Et du coup, ils m'ont mis les pages du codex un peu partout, de ce que je comprends? Bon, on va les voir en ville, de toute façon. Les pages du codex. Apparemment, Ezio les avait toutes au moment de cette mémoire génétique. Ah, dur. Génial. Et je fais comment pour les trouver? Attends. Je crois qu'Ezio a une carte sur lui. Il a dû mettre la main dessus pendant l'une des séquences endommagées. Apparemment, elle affiche l'emplacement de toutes les pages du codex manquantes. Oula, oula, houhou. Ok, donc je suis obligé d'aller chercher les codex. Ah, ça par contre, je vais pas vous mentir que c'était pas prévu au programme. Du coup, on va aller faire Florence en premier. On va se taper à Florence. Comme quoi ce jeu est plein de surprises, les amis. Hein. Avis de recherche. Ah, c'est ça les pages de codex. Bon bah les amis, essayons d'avoir toutes les pages du codex. Je sais pas si je ferai les 15 avec vous, parce que je pense que ça va être un peu long pour vous. J'avoue que je m'attendais pas à arriver dans le jeu et être bloqué par contre. Un peu plus, ça te oublie, il y a du monde. Hein. Attendez, j'ai une idée. Allez, venez vous. Je viens de vous. Vite, vite, ici, ici. Tu veux te détendre? Viens passer un petit moment avec nous. Dis-moi, tu me connais. Hop là. Qu'est-ce que je fasse? Mais bien, mais fort. Page du codex récupérée. On verra si ça va se faire vite. Je pense que oui, hein. Techniquement, je vois pas forcément que ça dure longtemps, mais bon, il reste quand même la moitié, hein. Donc bon. Pouf. Non, j'ai pas dû monter. Ok, du coup, c'est par où qu'on rentre? C'est par ici? Du tout. J'y suis pas encore. J'y suis pas encore. Et c'est où? Ah, c'est ici. Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est dans ce quartier. On la sait. C'est vraiment pas pratique quand même ça. Hop là. 17. J'avoue que j'aurais dû les faire pendant que je jouais. Au fur et à mesure. Mais on est habitué dans nos jeux à vraiment faire que la trame principale et pas être forcé à faire certaines choses, à fouiller. Ça, c'était vraiment les jeux de l'époque hein, qui nous forçaient à faire ça. Donc là, je vais pas vous mentir que je suis un peu... surpris. Je me rappelais pas du tout de ça. On va faire ça, on va courir. Alors là, l'astuce, c'est de courir et de les laisser un peu loin derrière vous. Pour pas, justement, qu'elles se font prendre par des... Enfin, en vrai, c'est le bon mot, quand même. Mais voilà, quoi. J'ai pas envie que les gardes vont trop vite dessus.
Ok, c'est ici. Buonasera. Mademoiselle. Par ici, messere. Venez goûter au plaisir de la vie. Eh, bello. Tu veux apprendre de nouvelles choses? Ça passe. Aïe, du coup. C'est pas trop loin, normalement. Ça, c'est bien, c'est qu'ils sont, ils sont pas trop loin les uns des autres. Je cours pas trop vite, parce qu'il faut qu'ils arrivent à nous suivre. Ça va, il faut suivre la route. Le voilà. Souvent c'est les grands bâtiments comme ça. Mesdemoiselles, youhou. Dis-moi, je l'ai laissé tomber. Qui voudrait prendre un peu de bien. Et voilà. C'est quand même plus classe que de tuer tout le monde. Par contre, il y a plein de zones qu'on n'a pas. Donc il y a de fortes chances qu'ils ne sont pas sur ma carte. Et ça, c'est un peu problématique pour le coup. On voit que tu aimes les plaisirs de la vie. Hé, merci. J'ai pas guisé. On a toujours appris à être poli. Attention, messieurs. Oula, 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 la, 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 esquive. Il y a la petite fouine. Je peux passer? Oui, je peux. Ah, ah, stupido. Oh, c'est bon, on peut passer par là. Faut que je cours, parce qu'il y en a un qui veut me voler mon argent. Un vrai petit animal de foire. J'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va faire. Bon, ça va, il se barre là. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi, bordel. Du coup, il y a une petite ruelle par là. J'allais dire une petite truelle, mais c'est pas du tout la même chose. Buonanotte. Oui, buonanotte, seigneur. C'est là? C'est où? C'est ici? C'est de l'autre côté? Ok. Belle Giovanni! Si personne ne s'occupe de moi, je vais mourir d'ennui! Et hop là, le petit 20ème, il m'en reste 10 les amis, je pense que je vais les faire sans vous. Parce que sinon je pense que bah me voir faire ça, c'est pas forcément ce qui a plus de joie pour vous. Et en plus de ça, comme vous le voyez, je ne vois rien de cette partie de carte, donc je vais devoir faire ici les petites montées. Donc je vous laisse, je vous fais des bisous et à la prochaine.